Bonjour, c'est Lara et bienvenue pour cette vidéo consacrée à Sleepaway Camp, un puzzle game sorti en 2017. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner avec la petite cloche pour les notifs. C'est parti! Catastrophe des chants de Noël. Lors de la dernière soirée de tournage, les acteurs se sont rassemblés pour une séance de chants de Noël. Anthony, ses chansons douces, a mis tout le monde à l'aise, sauf l'acteur qui jouait le tueur. En fait, il avait une sainte horreur des chants de Noël. Et en plus, j'ai eu 15 coups. D'accord. Il y a une mine et puis un placard là-haut. Déjà, il faut que je pousse celui-là là-bas vers le placard. Voilà, comme ça. Là. Tac, là, comme ça. Lui, je lui ai fait peur. Comme ça, il va être poussé vers la mine. Bon, peut-être j'aurais dû faire ça depuis le début. Voilà. Ah, ça me gâchera moins de... Hop. Tac. Ah bon, le problème c'est que je suis coincé. Ok. Ok, c'est pas trop mal, sauf que celui-là, là, qu'il y a des émoticônes, qui pensent à des émoticônes, il faut que je le pousse vers le haut. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Déjà toi là, ok. Donc c'est là après, je ne sais pas. Si je fais ça après, tac, ça le fait effrayer là-haut. Ok, et là c'est bon, je peux aller à la sortie. C'est ça. Horreur dans le labyrinthe végétal. Taux de travail et pas de meurtre font de Randy un triste sire. Trop de travail et pas de meurtre font de Randy un triste sire. Trop de travail et pas de meurtre font de Randy un triste sire. Trop de travail et pas de meurtre font de Randy un triste sire. On dirait Shining, n'est-ce pas? Oh, là c'est un vrai labyrinthe. Hey, on est bien dans Shining et en plus il neige. Je vais sûrement mourir de froid, mais bon. Après, c'est la sortie est là-bas. Et...
si je fais ça. Non, j'en sais rien. Attends. Peut-être que je pousse le verre d'abord. Je vais tenter. Tac. D'accord, mais bon, ça... Ouais, faut que je... Non, faut d'abord que je pousse le rouge. Je pense que c'est ça le truc. Tac. Je pousse le rouge vers le flic, en fait. Toi, comme ça. Ah merde. Ça va le effrayer là-haut, puis du coup... Moi je pourrais pas effrayer l'autre comme je veux. Zutas. Non, moins que... Non, ça le fait pas, d'accord. Tac. Mais bon, comment atteindre la sortie aussi? Non, je vais y arriver comme ça. Impression qu'il faut que je pousse celui-là d'abord. Là, je crois. Non, d'abord je vais effrayer le rouge. Là. Tac. 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 Ensuite celui-là, on est prêt là. Très bien. Tac. Tac. Là, il n'est pas effrayé, tant mieux. Celui-là. Tac. Là. Ensuite, ah oui, je peux aller à la sortie. Ah merde, c'est l'autre. Le rose là, mince. Comment je fais pour l'avoir celui-là? La sortie, je vois comment je l'ai, mais... Rose, mince. Non, c'est pas ça. Comment je peux l'avoir? J'avais tout à l'heure,
Alors si je continue quand même comme ça. Ah mais l'ennui, ça suffit là qui me gêne. Pendant que le ver est là, j'aille tuer le flic là-haut. Voilà. Comme ça, l'autre ne peut pas s'échapper. Ah, très bien. C'est là après. Ah, vite. C'est après que je suis dans la merde. Et là, je peux pas m'arrêter au milieu. Ah si, je peux faire comme ça. Je suis con. Voilà. Voilà. Lac. Et là, j'ai la sortie pour moi tout seul. Tac. C'était le bon ordre. Coup de filet financier dans la forêt froide. Le réalisateur était tellement obsédé par l'idée de respecter le budget du film qu'elle a pris sur elle de se déguiser en Père Noël pour cette scène. Cela dit, elle ne s'arrêtait pas de penser au prix à payer pour embaucher de vrais policiers. Elle a donc opté pour des figurants déguisés en espérant que ça aille. À la sortie, il y a un gros flic, un bon flic là-devant. Ok. Peut-être que je l'attire au téléphone rouge, le flic. Mais pareil, comment... Ah, il y en a un de flic là, il va me saouler. De réfléchir comment il faut faire. Ah merde. Ouais, comment je fais pour faire sonner le téléphone? Je pensais que je pouvais passer là. Non, 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 on peut pas. Ah. Bah rip alors. La RIP. Peut-être que je fasse sonner d'abord le... Ah mais même pareil, là tu vas me saouler. Alors, comme ça. Toc. D'abord, je fais sonner ce téléphone-là. Ça me paraît, je peux pas remonter. Pas remonter, il y a le flic là-haut. Putain. Pas ça.
Et putain, j'appuie ce bouton-là. C'est carré pour changer de vue, Steph. Pas L2. J'arrive. C'est comme ça. Non. J'ai fait de la merde. Je sens que j'ai abandonné parce que là il y a le téléphone là du en haut à droite que j'arrive pas à faire sonner à cause du flic qui est devant. Je vais réessayer comme j'avais fait. Déjà là. Si elle est mort, tac. Alors moi j'avais effrayé comme ça, ensuite là, tac. Tac. Ah c'est le flic là, après j'arrive pas à le tuer. Ah peut-être que si, attends. Si je fais comme ça, tac. Là je fais sonner. Là, celui-là je l'effraie. Tac. Attends. Tac, tac. Ah merde. Ah justement, j'ai personne pour... D'accord, j'ai personne pour sortir, mais j'y suis presque là. J'y suis presque... Attends. À moins que si je fais tomber l'armoire comme ça, l'autre je l'effraie. Comme ça. J'ai ça qui me chie. Yes! J'ai failli abandonner. Franchement, j'en pouvais plus. Excellent. Prieur du Père Noël. Après avoir largement dépassé le budget, le producteur a viré la réalisatrice et en a embauché une nouvelle. Cette dernière a dû également jouer le rôle du Père Noël pour des questions de budget. Mais elle trouvait une solution bien plus économique. Virer les policiers et les remplacer par des chats errants. Ah putain, il y aura des chats. Aïe aïe aïe. Des chats pis de l'eau en plus. Hein. Faut pas noyer les chats. Putain. Ah, surtout qu'il y en a un qui est tout près de l'eau là. Laisse tomber. Ah, mais. Allez, c'est l'autre, le vert de haut là, qui va être chiant.
Si je le tue, il va pousser le chat vers l'eau. Il faudrait que j'en pousse un vers lui. Vers toi, peut-être. Ouais, d'accord. Ok. D'accord, non. C'est peut-être ça, pas ça qu'il fallait faire. C'est là le chat, il va me gêner en fait, aussi pareil. Ah, c'est peut-être pas comme ça que. Dans ce sens-là, qu'il fallait tuer le verre. Attends. Parce que là. Tac. Lui, je le pousse comme ça. Très bien. Et l'autre, le verre, là au-dessus. J'arrive en. Ah, pitié de merde. Là, pareil, je vois bien dans quel ordre je vais les tuer, mais comment faut faire là? Pour moi, c'est comme ça. Attends, à moins que je fasse pousser ça là. Ça, lui, je pousse là. Mais c'est là, c'est. Mais c'est pareil, le chat, il me gêne. Putain! Comment faire? Voilà, ok. Moins que je te là comme ça repoussera le chat là. Ok, ensuite là je peux aller comme ça ici faire peur à celui-là et j'ai la sortie. Ouf, bah dis donc, c'était laborieux mais j'y suis arrivé. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, rappelez-vous que la rage, c'est nous.